ici, nous avons du tussilage qui s'appelle au nom latin Farfara. Tussilago Farfara. Puis c'est drôle parce que. Ben, c'est drôle. Là, c'est parce que là, elle est pas mal finie. Là, on est dans un temps qui est fini. Malgré que ici, on en voit là, des petites jeunes pousses. Là. Qu'est-ce qu'on va cultiver? Que, pas qu'on va cultiver, mais qu'on va prendre. Ça va être des petites boutures comme ça. D'ailleurs, là, j'ai une photo qui va vous montrer là, qu'est-ce qui est bon à prendre et qu'est-ce qui n'est pas bon à prendre. Ça, c'est une plante qui est très bonne pour tout le système pulmonaire. Même moi, quand que je la prends puis je la transforme, je fais des cigarettes médicinales. Elle est bonne pour dégager le goudron dans les poumons. Puis avec la cathare puis la lubélie, ben ça l'aide à calmer, à rester calme. Puis la lubélie, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les mêmes neurotransmetteurs que la nicotine au cerveau. Qu'est-ce qui fait que ça va aider à ne pas avoir besoin de la cigarette, là, dire j'ai besoin, le corps dit tout le temps, j'ai besoin de mon médicament, mais la cigarette, c'est pas bon! Que là, au moins avec le tissulage, cathare, lubélie et molène, ben c'est un beau trio. Je vais m'en servir aussi pour faire des sirops pour la toux, la grippe, pour tout ce qui est point de vue pulmonaire. Pourquoi que je la prends aussi pour mes sirops, c'est parce que c'est un antibiotique, antiseptique, histaminique, dépuratif, vulnéraire et anti-inflammatoire. C'est pour ça qu'elle est super importante. On va prendre les feuilles qui vont venir là, un petit peu plus gros. Là, elle va venir là, la grosseur d'une main là, un peu plus tard, là, vers la fin de juin. Puis ça, on peut faire des cataplasmes avec ces feuilles. Il faut faire attention de ne pas trop en prendre parce qu'elle contient des alcoolides pyrrolizidiniques. C'est pour ça que j'ai ma feuille pour le lire. Parce que c'est vrai. Parce que les personnes qui sont fragiles au rein, au foie, c'est déconseillé. Elle contient énormément de la vitamine C, de la B7, du calcium, du potassium, du sodium, du cuivre, du manganèse. En tout cas, la même affaire que le pissenlit. C'est pour ça que c'est sa copine aussi. Là, dire, là, c'est deux qui s'aiment énormément, ces deux-là. Les feuilles qu'on peut prendre, on va les prendre puis on va les ramollir à la vapeur puis on peut les mettre sur les abcès. Que ça va aider pour les abcès à faire disparaître les kystes, les blessures. Bon, toutes les personnes qui ont les reins et le foie qui sont fragiles, qui ont des histoires avec ça, on l'utilise pas. Les enfants, on le fait dans une courte période de temps, puis on évite durant la grossesse et l'allaitement. Que ça encore, ça serait super bon de vérifier vers un herboriste accrédité pour, avec des médicaments, des histoires antécédentes de maladies de reins, de foie, consulter un herboriste.